Alors, qu'est-ce qu'on a? Voiture cassée. Une voiture brûlée. Un cas suspect de voiture qui aurait pris feu sur l'autoroute. La famille de la victime dit que c'est dû à une erreur de fabrication, mais je suis pas sûr, faut que je vérifie mes calculs là. Ben encore? Des traces de fistium sur les essuie-glaces et un peu de bidulium sur l'antenne radio. C'est sûrement le carburateur qui a lâché. Sur une Lada, c'est pas possible, il n'y a pas de carburateur. Par contre, c'est quoi ce truc là-bas? Quoi? Un indice? Rien d'intéressant. On brindera un truc à nous dire sur la carrosserie? On a affaire à un Jackie. Mais un bon gros Jackie de compète. Hein. Aileron, chantalu, et en moumoute. Ouais bon, un truc intéressant qui pourrait nous aider peut-être. Ouais. J'ai fait ma thèse sur ce genre de personnes. Ils ont un manque de confiance en eux cruel. Et ça le pousse souvent à uriner sur... Oh merde, Kevin! Un truc qui pourrait nous aider? Bien, après avoir fait la simulation physico-spatiale du système, j'en ai conclu que cette tâche-là n'était pas naturelle. Je vois. La voiture est sur l'autoroute. Il fait chaud, il veut allumer la clim. C'est une Lada. Bon bah il ouvre la fenêtre alors et... C'est une Lada. Bon bah merde, il ouvre sa portière alors. C'est une putain de Lada. Donc là, il allume la radio. C'est pas le jour où Nostalgie ne marchait pas. Oh le con, il a voulu choper un CD de Carlos rangé dans la boîte à gants, ce qui l'a détourné de la route pendant 10 secondes. Bon bah il trouve le CD, il le met, il kiffe sa putain de race, et arrive à un péage. Ouais monsieur, c'est combien? It's over 9000! Ce ticket de péage prouve bien que notre Jackie a payé le péage. Pourtant, aucune trace du billet de 5. On verrait bien que le carrosseur a fait.